ça que je te dis, on n'est pas vraiment décidé sur est-ce qu'on veut ou pas ça dans, dans les oreilles, quoi, tu vois. Ouais, alors là, c'est pas ultra fort, hein, mais... Non, en fait, j'ai un peu l'impression qu'un mec me tapote le visage avec sa bite, tu vois. Ça empêche pas de bosser, mais... Ça empêche pas de bosser, mais quand même. Bah, c'est moi, je bosse mieux si personne le fait, quoi. C'est bon, ça enregistre? Est-ce que ça tourne, serviteur? Ouais. Mini-tits numéro je ne sais pas. The Locust Plague Soundscape. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. C'est vrai qu'on ne dit jamais trop ce qui se passe avec les mini-tits. Alors, petit rappel du topo. Mm-hmm. On a un Tipeee au nom de Troll in the Sky, qu'on fout en lien partout tout le temps, on ne pouvait pas le rater. Et des gens nous donnent des sous, très exactement 50 personnes pour 95 euros par mois en dons réguliers. Et régulièrement, on demande aux donateurs de nous proposer des albums à chroniquer. Idéalement, des trucs soit craignos, soit particulièrement typés ou iconiques, histoire qu'on puisse se marrer un peu. Alors, toi aussi d'ailleurs, viens nous donner un euro et propose-nous un truc. Arrête, putain! C'est le moment plus... Bon, ouais. Ah, le chevreuil, quoi! Et les contreparties, t'as des cendriers en métal avec des canettes de coca, quoi. Et tu peux choisir ton soda. Ouais. Les Canada Dry sont plus chers parce que c'est galère de trouver des canettes de Canada Dry. On va peut-être finir par faire du merchandising avec ta lessive maison. Avec des tasses et des patchs. Ah oui, des lessives bio, je peux vous donner. Ou des bouts de savon qu'on pourrait... Bon, bref. Bon, je vous conseille vivement le savon de Marseille et le vinaigre. Ça, tu mélanges avec tout, ça nettoie ta maison. Mm-hmm. Si on arrive à avoir suffisamment d'argent, genre 200 euros de plus en quelques mois, on payera des billets d'avion aux plus grands fans de néo-métal de France, qui bien sûr habitent Nice, le seul endroit où le néo-métal est encore possible en 2019. Il s'appelle Jazz et on le fera venir pour parler de sa période bénite. Alors faites-nous rêver et donnez-nous des sous. Nous donner des sous, c'est ce qu'a fait un certain Al Azredil. Ah, Al Azred. Voilà. Tu sais pas qui c'est Al Azred? Mais en fait, je me demande parce que. Mais... Non, mais pas la personne facebookienne, qui est un mec d'ailleurs qui va à beaucoup de concerts, qui a plus longtemps. Non, mais Al Azred. Oui. C'est qui? Le Necronomicon. Ah, bah oui, putain, mais oui, je l'ai vu dans. C'est la rap dans fou, le livre de la rap fou. C'est vrai. Qui a erré dans le désert. Et voilà. Mais c'est, donc, il a pas rencontré l'ange Gabriel comme donc Mahmoud, c'est un arabe fou qui nous a proposé tout ça à fait. Qui nous dit salut les Space Trolls, j'avoue que le 5 doigts dans ton cul c'était dur. Alors moi je vous propose un album qu'il sera peut-être moins ou peut-être plus. En tout cas, c'est pas de la musique de fils de putain au cerveau rempli de drapeaux qui volent au vent et des bouchées à la reine oulala, et des bouchées à la reine oulala, je ne bouge, je l'ai pas compris. Et ah, débouché. Ah bon, très bien. Voilà, bref, je vous propose un album qui a changé ma vie lorsque j'étais en 3e au collège Blaise Pascal à Villemoisson-sur-Orge. Mm-hmm. J'ai découvert cet album avec une interview du boss d'Epitaph, le mec de Bad Religion, je vais pas vous faire tout votre boulot aussi, qui parlait de son sous-label Anti et qui évoquait ce groupe avec des mecs en combinaison de sauterelles. Intrigué du haut de mes 15 ans, je fonçais sur Casa, essayer de choper la vidéo ou un album de ce groupe. Et putain, quelle claque! Jamais j'aurais pensé écouter une telle folie ou génie dans un album. Je me demande encore même comment ils ont fait pour jouer ou composer ça. Du blast beat, des cris de sale gosse, du synthé en folie, des breaks en veux-tu en voilà, et le tout avec des noms de chansons complètement gogoles. Ce fut le début d'une longue histoire d'amour avec ce groupe, groupe que j'écoute encore, qui m'a ouvert à sur plein de choses, notamment grâce au label Justin Pearson, 3ONG, je ne sais même pas de quoi il parle. Après, il me décrit exactement plein de trucs avec des Pearson, c'est l'un des membres de Locust. Voilà, donc tout ça, on s'en fout. Connard. Qui m'a donné vraiment envie de faire de la batterie, merci Gabe Serbian, et qui m'a montré qu'il n'y avait presque aucune limite en musique. Bref, un groupe qui a vraiment changé ma vie. Sur ce, si vous ne voulez pas le chroniquer, je vous conseille quand même de jeter une oreille dessus. Les titres durent moins d'une minute, ce qui est vrai. Bisous de la campagne où j'habite en ce moment. Vous me faites rire quand je promène mon chien. Voilà, je tiens déjà à dire que si j'ai choisi ce truc... Bon, déjà, merci, il nous fait tout le boulot, là. Il nous a fait toute la chronique. Voilà, après avoir lu ça, on peut arrêter. Alors, si j'ai choisi ce truc, c'est parce que j'ai fait ma scolarité au collège Blaise Pascal de Villemoisson-sur-Orge. C'est une blague? Bah non, c'est mon collège où j'étais. Mais c'est quoi cette... Mais c'est pas possible. C'est quoi, bah si, je suis de Villiers-sur-Orge et donc j'allais au collège à Villemoisson-sur-Orge.
C'est exact. Je sais pas qui est ce type. On n'a pas le même âge, puisque concrètement, à l'époque de Kazam, mon collège était fini. Mais c'était un collège pourri à l'époque, peut-être complètement en ruine au moment de mon passage. Si tu l'avais rencontré, tu aurais peut-être pu écouter du métal beaucoup plus c'est ça. 20 ans plus tôt, Mathieu. J'ai pas mal d'anecdotes sur ce collège et j'en ai une. J'ai un souvenir un peu triste. Je descendais les escaliers du collège et un mec avait craché dans mon gant de baseball. Voilà. Après, en y réfléchissant, je portais un gant de baseball, je faisais du baseball. Du coup, je méritais un peu qu'on me crache dessus, tu vois. C'était une période compliquée, le collège. Pourquoi t'as fait un gant de baseball ? Je sais plus, je me souviens clairement que je venais parce que je pense que ça devait plaire aux femmes, tu vois, d'avoir un gant de baseball au collège. C'est pas une période où je chopais plus que ça, pour être honnête. Si tu rentres en courant pour aller Dawson à la télé. Et alors... putain, mais tellement. Et Art Laker à vif. Ah ouais, mais oui, je ratais pas. Drazik, on pense à toi. Alors, The Locust. C'est un groupe de musique. Hein, on peut jusque-là. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit une affirmation possible. on est sur du grindcore, madcore. Non, c'est pas du grindcore, c'est plus de la power. C'est du power violence, madcore. c'est un métal un peu. Comment dire expérimental. Alors, honnêtement, c'est pas déplaisant. L'album, donc il nous a demandé de chroniquer, c'est The Plague Soundscape. Deuxième album. Voilà. Alors, je t'avoue que je ne pourrais pas écouter ça tout le temps. Il y a un côté. Je pourrais plus le réécouter jamais. Un peu Dillinger Escape Plan complètement barjo, mélangé avec un espèce de côté Mike Patton, puis avec une espèce de technique de ouf. Les mecs jouent dans Catal Decapitation, donc le batteur est assez dingue. Ça part dans tous les sens. Dès qu'il y a un rythme que tu penses que tu peux accrocher, ils le pètent tout de suite. Ils font des espèces de breakbeat, des trucs de ouf, avec un synthé envoyé, mais à plein volume. En fait, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un bordel, sans nom. C'est le bordel dans leur tête, ces mecs-là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller au marimba et taper sur toutes les notes de marimba? Vas-y, va au marimba, tape sur toutes les lattes. Voilà. Concrètement, Locust, ça ressemble à ça. C'est leur deuxième album. Leur premier album faisait 16 minutes. Ouais. Celui-là fait 21 minutes. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un double album? C'est un peu leur Dark Side of the Moon. Parce qu'on n'est pas sur un truc presque progressif, tu vois. Alors... comme dirait l'autre, ça a le... comment dire, c'est... c'est une musique de zinzin, Laisse-moi chercher mes mots. Vous voyez les animés de zinzin de l'espace? Ça a le mérite d'exister. Je suis très fier que ça existe et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que ce genre de musique existe. Par contre, il est hors de question de leur écouter de nouveau. Alors, c'est technique, ça joue... Alors, ça ne m'étonne pas qu'ils aient tourné avec Fantomas, parce que c'est un peu lié. Il y a un côté vraiment Fantomas... après, c'est un groupe ultra engagé. Ça va te plaire, ça, Mathieu. Ah, ça m'a plu. Ils font du mariage. Ils font du mariage homo sur scène. Lui s'est fait casser la gueule dans une émission de télé sur Jerry Springer Show parce qu'il a emballé un autre mec. Des trucs comme ça. Et puis, ils boycottent beaucoup de trucs. Donc là, ils ont le truc avec Pierre Chanel, la communication, qui est l'équivalent de JC Deco. En fait, c'est ce que j'ai marqué. Tu vois. Un afficheur tel JC Deco, c'est un truc de ouf, on a les mêmes vannes. Ouais, en fait, ça revient à boycotter Live Nation et JC Deco, tu vois, c'est les deux. Donc franchement, moi, je suis pour. C'est ouf, ça veut dire c'est vraiment se foutre une balle dans le pied, quoi. Ouais, avec Cattle Decapitation, ils sont genre ultra vegan, activistes, etc. Donc tu vois un peu le milieu. Mm-hmm. Ils balancent pas mal sur les hommes politiques aussi, du coup, ça leur interdit quelquefois de certaines dates dans certaines villes. Certains états. Moi, après, il va en fait finalement de ce genre de musique un peu comme la simulation prostatique par le truchement d'un doigt dans le cul. Je suis convaincu qu'il s'agit là d'une grande source de plaisir. J'ai un immense respect teinté de jalousie envers ceux qui le pratiquent, mais il y a rien à faire. C'est pas un projet sur lequel j'ai envie de me lancer, tu vois. Cette musique, c'est clairement ça. Mais je comprends ce qui vous plaît. Il y a un côté Fight Club dedans. Il le dit lui-même. Tu sais, il dit on fait la musique peut-être pour la détruire. En fait, c'est vraiment ça. Quoi. Oui, c'est ça. Ils ont envie de détruire le truc. Il y a vraiment ce côté. C'est ultra technique. Il y a plein de plans hyper bien pensés. Il y a plein de trucs. Tu te marres. Il y a un synthé qui est complètement zinzin. Yes. Alors en live, ça doit être vraiment fandard à regarder. Les mecs sont déguisés. Moi j'ai besoin, j'ai besoin de mélodies, j'ai besoin de trucs différents, même si ça m'arrive d'écouter Fantomas ou les trucs de madcore, machin. Mais ça, c'est vraiment,
c'est extrême dans le sens extrême, musique extrême, tu vois, genre faut vraiment s'accrocher pour percevoir un peu où ça veut en venir, quoi. Enfin, tu vois, le son en plus les productions sont assez audibles, hein. C'est le bordel, mais tout est audible. Bordel, bon, agréable, c'est, quoi. C'est un peu, tu prends tout ce que t'as dans ton frigo, tu mets dans une poêle, tu fais cuire et tu vomis dessus. C'est vraiment les plats de fin de frigo, tu sais, du dimanche soir. C'est avec un apéricube sur tes pizzas tout dégueulasse qui fait des c'est du fromage, c'est une bonne idée. Et il y a plus de, tu vois, il y a plus le haut, il y a plus le bas, t'as plus le nord, tu sais plus où est ta femme, tout ça, c'est un bordel, mais agréable, tu vois. Et après ils ont des tu sens que le concept autour, tu vois, les titres d'albums, les titres de chansons, genre Anything Jesus Does, I Can Do Better. Mm-hmm. J'en avais noté quelques-unes, tu vois, How to Become a Virgin. Il mm-hmm. y a des trucs vraiment vraiment bien trouvés. Mais franchement, moi, tu peux comparer ça à des mecs qui font du jazz moderne. Enfin, quand je dis jazz moderne, je parle des gars qui font de l'expérimentation jazz, hein. C'est exactement la même chose pour moi. Ouais, dans le côté pousser le curseur le plus loin possible. Parce que les icos sont ultra techniques, hein, ça joue la mort. Hein. Enfin, c'est j'ai le mec qui joue dans Catholic Capitation. Moi, pour les avoir vus, on est déjà le batteur, sur l'exigence. Il est quand même, tu vois. Le mec s'appelle Gabe Serbian. Est-ce que tu penses qu'il est de la même famille que le gars de Five Finger Death Punch, la Zoltar Battery ou Zoltan? Serbian Movie. En vrai, c'est un peu Serbian Movie en musique finalement. Il y a un peu de ça. On est sur un snuff musical, quoi. Alors, j'ai pas trouvé l'information si tu l'as. Al, je t'appelle Al, mon petit Al Azred. Si tu l'as, j'ai vu qu'il y avait un mec qui s'appelle Tarantula Hawk. Est-ce que c'est le mec qui a fait le groupe Tarantula Hawk? Enfin, que tu me dis, parce que j'ai pas trouvé l'information. Et vu que j'adore Tarantula Hawk, j'ai tendance à m'en foutre, mais je crois que oui. Voilà, donc si tu as l'information, tu nous le diras. Dave Warshaw a bien joué dans Tarantula Hawk, en effet. Ah ben voilà, donc, tu vois. Donc voilà. Que je conseille à tout le monde. Donc, ouais, pour en venir à cet album de Zoloculture. C'est comment vous dire? Je préfère écouter ça à Ghost, hein, quand même. Oh bah, clairement. D'ailleurs. C'est le truc que t'arrives à dire. Non, mais en fait, il n'y a pas plus éloigné qu'un groupe qui fait une musique extrêmement exigeante, technique, mais inécoutable parce que trop. Trop extrême. Ouais. Qu'un groupe qui fait une musique feignante, mal vendue. Ah, bah là, c'est tout sauf feignant. abusé et qui est inécoutable par sa médiocrité. On est vraiment. C'est l'inverse du spectre. Tu vois, ils peuvent se rejoindre sur certains trucs, tu vois. C'est Mélenchon et Le Pen, mais dans l'ensemble, ils ont quand même une vision radicalement différente du monde. Mais ces groupes, c'est comme ça, ces groupes comme Mr. Bungle ou Fantomas, ou, c'est des groupes essentiels dans le sens où ça fait avancer la musique. Enfin, ça, ils essaient d'aller quelque part. Ouais, bah, il a fait avancer, mais la mettre dans le mur, tu vois. Ouais. Après, est-ce qu'un mec qui dit je l'écoute encore aujourd'hui, ça a fait mes 15 ans, à 15 ans, si mon enfant il veut écouter ça, c'est non. Moi je sais pas à quoi te rapprocher, comment tu te raccroches dans le titre. Tu peux pas dire ah, j'adore ce titre là, je le mets en soirée, quoi. Non mec, en général je passe Who Wants Those to the Club, c'est 40 secondes que j'aime pas. Mais c'est pas l'équivalent de Wonderwall d'Oasis, tiens je vais te mettre Fist Me in the Champagne Room. Non mais mec, c'est un peu, voilà, c'est pas, c'est très élitiste, quoi. T'imagines mixer du grind en soirée vinyle, tu sais. comment t'es musclé après, toutes les 57 secondes tu changes de titre. Donc voilà, donc toi tu dis, toi ça te gonfler parce que c'est un groupe que t'aimerais aimer finalement. Ouais, moi j'ai écouté ça avec les yeux grands ouverts en me disant putain c'est du génie, mais je veux que ça soit loin de moi et au plus vite, quoi, tu vois. Je veux plus jamais en entendre parler. Mais vraiment, encore une fois, c'est toujours la même chose. Je comprends ce qui vous plaît dans le nazisme, mais mais non, quoi, les gars, vous êtes marrants. Après, si tu me demandes de réécouter ça ou Five Finger Death Punch, oui. Bon, It's All Champagne, peut-être, faut voir. It's All Champagne. Je la réécoute en douce. Mais, mais donc, non, c'est pas une claque. Donc voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai eu un moment surprenant, mais je pourrais pas y revenir, quoi. Voilà, donc. C'est pas le truc de. Alors qu'il y a des groupes en power violence que j'aime bien. Doloréan, par exemple, c'est assez cool. Ah, là, tu parles d'une région que j'ai jamais explorée. Là, tu te doutes. Hein. On en revient à l'histoire de la prostate et de dans le cul. Hein, j'en ai entendu vaguement parler. Mais bon, voilà. T'as autre chose à dire sur le Zoloculture?
Non, j'avais un peu rien branlé sur ce sujet. Je ne peux pas les réécouter jusqu'au bout, pour être honnête. Alors, les costumes sont très troublants aussi sur scène. Hein. Bah, ouais, en fait, c'est des sauterelles proches des Tortues Ninja. Quoi. Ouais. On voit que ça a été étudié. C'est full masque, full habit. Ça a quand même été étudié pour pouvoir sautiller. Quoi. Ça a été cousu par la grand-mère. Hein. Pas celle de Bobby Liebling, mais ouais, ça a été cousu par une grand-mère. Il y a un côté matière stretch de sport, tu vois, ouais. Pour que l'aération, la sudation se passe bien. Tu vois. Ça a quand même été travaillé. Et en ça, je respecte. Ah oui, attends, j'ai vu un truc, il y avait une controverse. Attends, laisse-moi taper controverse. Ça s'écrit compte, plus loin, attends, reverse. On coupera ça, bien sûr. Et sur quoi je dis ça, tu l'as en plus. En général, ouais. Ah putain, j'ai rien d'autre à dire. C'est quand il s'était emballé avec le mec au Jerry Springer Show et que personne dira que le security guard lui a éclaté la gueule pendant la pause pub. Ouais. Pub, et le mec, tu reviens, le mec, il est en sang par terre. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'ils avaient eu des problèmes parce que dans leur merchandising, en fait, ils vendaient des petits miroirs, c'est des petits miroirs portatifs qui sont, ouais. Voilà, tu... C'est... Moi, je sais pas, je peux c'est comme la petite pelle Lego, Mathieu. Pourquoi un miroir, c'est mieux qu'autre chose? Écoute, non, mais toi, tu sais pas, mais imaginons que tu savais. Parce que bon, bref. Alors, ben voilà, écoutez The Locust. C'est un album de 2003, donc leur deuxième album après le self-titled de The Locust. Et il y a un album sorti en 2007 qui s'appelle New Erections. Mm-hmm. Voilà, nouvelles érections. Alors, ils ont fait des splits avec Man is a Bastard, donc l'homme est un bâtard, avec un groupe qui s'appelle Arab on the Radar. Arab on Radar, donc l'arabe sous le radar. Je ne connais pas ce groupe, ça a l'air trop bien. Et Melt Banana. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Arab on Radar? C'est génial. Alors, Grintus adulte, tout sèche et grasse. Calme la toux en protégeant les muqueuses. Je vais te protéger les muqueuses, moi. Mais tu vois ça comme ça, toi? C'est un enfer. Ah, tu bois ça comment, toi? Tu mets dans comme Bobby, avec une cuillère. Mais c'est ce que tu mets dans une seringue. Tu as une seringue comme et Bobby avec une tu te piques la mâchoire après. Allez.